qui est merveilleux, c'est quand j'oublie d'activer le micro quand je lance une vidéo, c'est magique. Non, parce qu'en fait, le bouton qui montre le on-off, il est. Vous voyez, les micros qu'ont vos youtubeurs en général, ils sont plutôt à la verticale. Moi, c'est à la verticale aussi, mais du coup, le bouton est en dessous. Et donc, en fait, à moins de passer ma main en dessous pour voir la lueur, je fais pas gaffe. Donc, jeu réalisé par les créateurs de la licence Borderlands, très célèbre, hein, qui ont réussi à faire un trio, enfin une trilogie qui a eu son, qui a eu vraiment un succès, on va dire quand même un sacré succès. Eh bien, j'avoue bien un truc, mes lunettes. Merde. Deux secondes. Ouais, j'étais là en train de me dire, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être en 720p. C'est bizarre ça. Allez, les lunettes. Alors l'avantage c'est qu'ayant coupé mes cheveux, maintenant les lunettes au moins elles sont pas problématiques. Alors du coup je regarde juste vite fait les paramètres. Alors visiblement Kane lui m'a expliqué comment dire. Lui il était enfermé dans l'Izanagi. Hein. Clairement c'est Yaitachi qui a débarqué. Il avait aucune chance. J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il a été pris dans une illusion de laquelle il n'arrivait pas à sortir pendant la création de personnage. Alors du coup, on va réduire, voilà. Effet sonore, Voilà. Musique, pareil. Moi, en général, c'est les dialogues que j'aime bien entendre. Musique. Ouais, non, mais la musique au même niveau que les effets sonores. Attends, comment ça? Musique 60. Ah non, c'est zoomé, putain. Je me disais pourquoi c'est pas à la même barre. Dialogue, non, 85, on va dire. Commentaire du joueur. Activez les dialogues, l'ambiance du personnage du joueur. Non, non, c'est bon. Mode sonore, petit haut-parleur. Non, système IFI. Non, mode nuit. Mais bon, vu qu'il n'y a pas d'explication pour les différents modes. Pff, mono, casque, oui, langue des voix, langue du système, français, ça c'est fait, bon. Principalité, blablabla, avancée normale. Mais qui veut inverser? Je comprends pas, j'ai pas compris, même dans Tintinas il y avait ça, enfin, End Asso on Dragon Keep, un truc comme ça, ou Keep, Keep Dragon. Il y avait aussi ça, j'ai pas compris. C'est faudrait que je demande à quel, j'ai pas compris. À quoi ça sert d'inverser? C'est-à-dire que si j'incline le joystick vers l'avant, il va en arrière. Et si j'incline vers l'arrière, il va en avant. Je sais pas, déplacement horizontal, etc. Mais non, mais qui va les inverser? Et des mecs, ils ont pris des coups sur la tête? Ah bah voilà, voilà, hein, le mode par défaut. Alors dans Dragon Keep. C'était pas R2 pour tirer. Là ils se sont dit putain merde, non mais ouais, on va mettre normal. Configuration joystick par défaut. Non, je pense que ces paramètres là c'est bon. Il y a un didacticiel, oui. Non, position réticule. Pivoter la mini carte. Oui, pivoter le joueur, je préfère. Légendaire sur mini carte. Afficher le visage, oui. Réseau social, compétition des amis uniquement, crossplay, oui, synchronisation ennemie, oui. Zone de matchmaking automatique, demande d'échange tous les joueurs. Accessibilité, aide à la visée. Hein, visée précise, maintenir. Maintenir, c'est mieux. En fait, ils ont pris tous les trucs des FPS classiques, ils se sont dit on va essayer de coller avec. Alors que les mecs, ils bossaient sur des FPS. Ouais, je préfère appuyer seulement ça, croupir, appuyer. Franchir en avançant, oui. Couleur du réticule de visée. Allié. Comment ça, bleu canard? C'est quoi, bleu canard? Réticule note blanc. Ennemi rouge, bah oui. Tremblement de la caméra. Sous-titres, sous-titres malentendants. Ouais. Taille des sous-titres. C'est 200%. opacité des sous-titres 50, c'est bon. Non, ça m'a l'air bon tout ça. Voilà. Donc, alors, attendez, il faut que. Modifier groupe. Oui. Invitation envoyée. Alors, par contre, j'ai aucune idée de.
Est-ce qu'on peut le chat, l'opération, compétition, non? C'est vrai que je n'ai pas vérifié. Oui, j'ai qu'un ami qui je joue en général. Normalement, t'as dû recevoir une invite. Oui, bon, il verra de son côté jouer. Oui, nouvelle partie. Ça a chargé personnage. Ah oui, donc j'ai rien à chercher. J'avais autre chose en tête. Nouvelle partie. Équilibré. Coopération. 2K Game. 2K Game présente. Un jeu Gearbox Software. Il existe un monde aux confins de la galaxie. Un monde forgé par l'imaginaire et régi par le destin. La bataille entre ces forces fait rage depuis la nuit des temps. Le bien et le mal, les méchants et les héros. Un cercle vicieux, un cycle sans fin. L'imaginaire est dominé par une divinité cruelle et imprévisible, mais le destin... Un seul être au monde peut le prendre en main. Un être capable de rédiger sa propre histoire. La main du destin. C'est toi? C'est du lourd. La main du destin, sacrée responsabilité. Franchement, je comprends si tu préfères renoncer maintenant et te terrer dans un coin. Mais sinon, si tu essaies de te montrer digne de porter ce titre, voici une mise en garde que je donne à tous les héros. Ensemble, vous combattez. Et c'est donc ensemble que vous périrez. C'est marrant, ça, c'était dans la série Netflix de Saint Seiya, enfin, la série 3D. Un perso est pas censé crier coup critique. On gère pas trop mal par ici. Niveau l'âme. Ton heure a sonné, Seigneur Dragon. Crétin. Votre petite troupe ne pourra jamais m'arrêter. Car j'ai déjà. Waouh, vous avez fait vite. C'est bien normal. On est des héros. Moi, c'est Valentine, aventurier vaillant. Celle qui fout les jetons, c'est Fred. Et l'autre, c'est qui? C'est la Bleuzaille. C'est sa première aventure. Oh, sérieux? Sa figurine n'est même pas entièrement peinte. Ça suffit! On est là pour t'empêcher de voler l'énergie spirituelle. Pauvre fou! J'ai déjà absorbé toute l'énergie spirituelle! Je suis invincible maintenant! Eh hey, merde, je suis vraiment désolé. On a raté l'énergie, c'est bête. Vos châteaux brûleront! Les bébés pleureront! Plus que d'habitude, mes armées de squelettes raseront toutes vos terres! Sans mauvais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attaque! Tous ensemble! Bon bah Avengers, c'est pas pour tout de suite. Hein. Surtout toi, Bleuzaille. Les héros ne sont plus qu'ils étaient. Sérieux? C'est l'heure de mourir. Oh, mais alors, quand tout semblait perdu pour nos héros, des rugbyman ont débarqué. Un cheval. Un cheval? Ouais, et avec aussi un arc-en-ciel trop stylé, plein de paillettes qui font bling 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 dans nos yeux. C'est Étalon du cul. La souveraine la plus belle et la plus majestueuse de cette terre. Attends, on joue à quel jeu, juste? On joue à Bunker et Brutas, ouais, bébé! Et moi, Tina, je suis le maître du bunker, donc c'est moi qui décide! Et je dis qu'une ligne de corne scintillante qui s'appelle Étalon du cul sauve tout le monde! Oh, j'espérais que ce serait à nous de sauver le monde. Ça viendra, Valoche, c'est seulement la mise en place. Maintenant, plus un mot. Place au Seigneur Dragon. Allez, quoi, on va faire un combat au tour par tour. Tu es peut-être la souveraine la plus belle et la plus Merde. Majestueuse de toutes ces terres. Mais cette fois, je t'ai eu. Mais, Étalon du cul possédait la plus cool de toutes les épées du monde. La lame des âmes. À deux doigts. Non, rien. J'arrive pas à me souvenir du nom du jeu.
Attends, je viens juste d'invoquer ces squelettes. Non. Comment une épée ça fait des chaînes? Je te hais, Valentine. Et toi aussi, Fred. Et par-dessus tout, je te maudis, toi, Bleuzaille, quel que soit ton vrai nom. Je reviendrai et je débarrasserai enfin le monde de tous ces héros. Ainsi donc, le Seigneur Dragon fut vaincu. Pour le moment. Fin de l'introduction. Vous êtes prêts à faire des jeux de rôle? Ok, pourquoi pas. On est coincé ici, de toute façon, vu qu'une montagne a méchamment attaqué notre vaisseau. Ouais, il s'est planté. Moi, ça me botte, j'adore Bunker et Brutas. J'ai déjà un personnage niveau 50. Non. On crée des nouveaux personnages. C'est la première partie de la Bleuzaille, et je veux m'assurer que son aventure sera inoubliable. Paré, Bleuzaille. On passe aux fiches de perso, Trophion. J'adore toujours la VF des Borderlands. C'est toujours aussi incroyable. Vraiment, les noms et tout, ils donnaient vraiment un Edasson à jouer. Reçu, génial, nickel. Alors, attends, je lui demande, il prend quoi, lui? Dis-moi, tu prends quoi, au fait? Enfin, niveau classe. Que je sois pas con au point de prendre la même chose que lui. Truciopathe, frappacyclisme. Ça serait beaucoup plus, lui. Truciopathe, ça pourrait être moi, ça. Défour... Mage, dans un sort chargé, ouais. Sème la mort. La main du destin accompagnée d'une demi-lige volante qui cible les ennemis. Ah, ça pourrait être sympa, ça. La main du destin sacrifie une partie de sa santé pour afficher des mains. La main du destin récupère toute sa santé. Attends. Sopro, quoi? Famille champignon. Ok. Brrr. Zerker, ok. Épidémiste. Donc, trucidopathe. Ok, donc je prendrai pas celui-là. Flamme purificatrice, familier wyvern. Frappe violemment le sol, invoquant des dégâts. Dis-moi, t'as une idée si on est cantonné aux mêmes armes du début à la fin? Genre, par exemple, il y a le frappaclismique. Lui, il utilise un marteau. C'est-à-dire que je vais devoir utiliser un marteau jusqu'à la fin du jeu? Ou genre, c'est comme dans d'autres RPG où, par exemple, je sais pas, moi, si t'as un berserker, bah, il peut aussi bien avoir une hache qu'un marteau ou qu'une gigantesque épée. Tiens, je suis con, moi, attendez. Google, mon bon ami. Peut-on changer d'arme, tout simplement? Cool, ok, d'accord. Putain, j'ai eu peur parce que comme on nous le présentait, je m'inquiétais un peu. Ok, d'accord. D'accord, donc. Et non, on a besoin des dégâts électriques. Ouais. La mort. Ah, je crois que je vais prendre un sème la mort, tiens, pourquoi pas. Alors maintenant la personnalisation, il y a une de ces polices. Corps et personnalité, morpho, c'est celui-là.
façon d'appeler le truc. Hein. Celui-là, celui-ci. Ah, c'est homme ou femme, c'est ça? D'accord, ok. J'ai pas trop la classe, sérieux? Ah, je suis le bras sexy de la justice. Mon enveloppe est éphémère. Ah, je suis le bras sexy. Mon aspect gagnerait à être peaufiné. Transhumanisme! On peut être héroïque et avoir du style. Pronom. Oui, si tu veux. Ah, pas mal du tout. Admirer. J'ai beau être une grosse brute, j'aime bien aussi me pomponner. Qu'est-ce qui me vole? J'ai pas trop la classe. De quoi j'ai l'air? Ha ha! Voilà. Tant de beauté pour... Je dois... Une transfiguration s'impose. Je comprends rien, attendez. Je comprends plus rien. C'est-à-dire que moi, c'est les voix, en fait. Là, moi, c'est un gabarit comme ça que je veux, il n'y a pas de souci. Mais c'est les voix, et c'est bizarre, il n'y a que ça comme voix. Vivement que ce soit fini. Transhumanisme. Transhumaniste. On peut être héros. Tant de beauté pour un seul corps. Ah non, y'a que ça comme voix, c'est tout. Magnifique. On peut être héroïque et avoir du style. Bon. Oh. Ha ha. Voilà une apparence des plus. Tant de beauté pour. Ha. Je suis le bras sexy de la. Oh, quel beau. Tant de beauté pour. Ha ha. On peut être héroïque. Ha. Je suis le bras sexy. Tant de beauté. Mais c'est la même. Tant de beauté pour un. Ah. On peut être héroïque. Tant de beau. Je suis tellement adorable. Je suis tellement adorable. Je n'ai même pas. Qu'est-ce qu'on a là? Quoi? Je suis chi. Je dois bien présenter pour mon rencard. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai beau être une grosse brute, c'est j'aime pas mal, bien ça. Aussi me pomponner. Ça m'a l'air bien ça. Ensuite. C'est quand même bien fait, mine de rien. Alors, couleur de peau, désolé. On va enlever ça. Dryade. Ah, ça ira. Oh, on peut aller directement là, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on a? Attendez, il faudrait que je remette le chat du coup du live. Alors attendez. Ah putain, oreille de chat. Il n'y a pas de chien, c'est dommage ça. C'est quoi cette discrimination envers les chiens? Ah, on discrimine les chiens maintenant. La meilleure, c'est la pilosité. Ah, on m'a tchatchos. Ah bah non, là on l'a vraiment. Non. Distinguer même dans l'espace. Gandalf sort de ce corps. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ouais, vas-y. Couleur des cheveux. Système des oreilles, c'est-à-dire. Symétrie des oreilles plutôt. Forme des oreilles, pointe haute. Oui. Taille de l'oreille gauche. Pourquoi taille de l'oreille droite? Bon, bref. Forme du nez.
En vrai, je m'y attendais pas, mais il y a quand même pas mal d'éléments de personnalisation. Mais par contre, tu m'expliques comment tu t'es perdu pendant une demi-heure? C'est Kane, il était à fond. Lui, c'est roleplay jusqu'au bout. Hein. Lui, il était prêt à tout donner. Hein. C'est pour être pour avoir ce qu'il voulait. Après, je le comprends. Hein. Quand on est dans un RP et que t'as pas vraiment ce que tu espérais avoir, ce que tu essayes d'avoir plutôt, c'est chiant, quoi. On va mettre comme ça au pire. Non. Attends du nez. Non, c'est bien. Symétrie de la bouche. Bah oui, pourquoi? Forme de la bouche. C'est mince, ça? C'est quoi gros pour eux? Ah, ils l'ont mis! Cul de poule! C'est génial! La dog face est canon! Dans l'univers. De Borderlands, cœur arrondi, courbé, large. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc ça, c'est bon, ça. Taille de la lèvre supérieure. Mais on s'en fout, enfin, on s'en fout. Je vais pas me prendre la tête là-dessus. Putain, mais le nombre de... Je comprends pourquoi il s'est perdu, en fait. Je viens de comprendre pourquoi il s'est perdu, en fait. Il s'est perdu parce qu'il y a 1 300 000 infos. Je comprends maintenant, tout s'explique. Là, ça, c'est un regard qu'on n'oublie pas. Hein. Forme des yeux profonds, parce qu'il y a quoi? Étroit. Concentré. Il n'y a pas asiatique. Il n'y a pas chinois. Qu'est-ce que c'est que ce simulateur, enfin ce générateur qui ne permet pas au... C'est quoi cette arnaque? Pupille. Féline. Mal barré. Ah, mal barré, c'est bien. Couleur des yeux. Ah, c'est bien ça. Dommage que ce soit pas plus détaillé pour ça. Hauteur de l'œil gauche, emplacement œil gauche, angle œil gauche, taille. On s'en fout, c'est bon. Ensuite, décoration faciale. Mais c'est plus un simulateur à ce stade, c'est. Mais moi qui me plaignais des fois que dans certains jeux, genre Dragon Age, Inquisition, il n'y avait pas assez de personnalisation au niveau des voix et tout, etc. Mais là, c'est complet, hein. D'autres joueurs vous attendent pour commencer. Oui, merci. Au pire, regarde le live en attendant. Oui, mais vite d'avoir me répéter. Alors, cicatrice. On peut avoir quoi? On peut avoir la lèpre. C'est bien ça. Frappe aclysmique. Je crois que c'est ma classe, non? Attaque de Scouton, super raté. Marque de déformage, sème la mort, spore odeur. Je suis quoi moi déjà? Mais non, je crois que moi j'ai pris ça. Frappe assist... Non, c'est lui qui a pris ça. J'ai oublié, il a pris quoi lui? C'est lui qui a pris frappe sismique, c'est pas moi. Moi j'ai dû prendre déformage à mon avis. Ah mais c'est de la merde ça comme cicatrice, à la limite je préfère. Ouais, ça c'est déjà mieux. Inverser la cicatrice, non, tatouage. Ah. C'est un tatouage ça? Ah oui. Ouais, ok, d'accord. Non, il n'y a pas besoin, c'est quand tu as le visage balafré comme ça, tu n'as pas besoin de tatouage. Hein. Quoi, tatouage, eyeliner. On en est là, on en est vraiment là, on est à un stade où faut que je choisisse si je mets ou pas du eyeliner. Audacieux et effronté. Après, c'est dans l'ambiance de c'est comme ça, hein. Borderlands, ça a toujours été complètement barré. Hein. Couleur de eyeliner, non, 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 fard à paupières, non, blush, non.
Putain, mais... Nya. Décoration de l'armure. C'est quoi qu'on a? Non, ça c'est... Oui, non, mais ça c'est les... Ouais, je vois c'est quoi. C'est plus l'imprimé en fait. Griffe dorée, c'est bien. Motif sous l'armure. Est-ce qu'il faut un motif sous l'armure? Couleur principale. Oh putain, oui! Ils ont pensé à des trucs, c'est génial! Couleur secondaire. C'est génial! C'est génial! Couleur tertiaire, c'est quoi ça encore comme merde? Ah oui! Oh, comme ça, c'est très bien! Bon, ça c'est fait. Paramètre extrême, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Ouais, vas-y. Alors, idiot du village. Oui, c'est quoi cette création de personnage de l'enfer là? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi paramètre extrême? Parce qu'il n'y a pas d'explication en fait. C'est, ils auraient pu mettre. Va niquer ta mère, ça aurait été pareil. C'est quoi paramètre extrême? Si tu sais, viens savoir. C'est genre, il passe de normal à extrême gauche ou extrême droite? C'est quoi? C'est une option de parti politique? Comment ça, idiot du... Ah oui, comme dans les RPG classiques, t'as toute une fiche. Je comprends mieux pourquoi, en fait. C'est pas qu'il était prisonnier de l'Izanagi, Kane. C'est que... Si Kane ne sait pas, c'est qu'il y a un problème. J'ai aucune idée c'est quoi. On a aucune idée c'est quoi. Du coup, moi je crois que j'ai fait déformage. Si je dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, hein. C'est déformage que j'ai fait. Moins raté, accumulateur en rémission, alchimiste roublard. Mais il y a trou du cul. Sand clown. Parce qu'il y a cul de poule dedans pour la bouche. Je me dis, est-ce qu'il y a trou du cul? Success story d'enfant des rues. Ok, d'accord. Vous êtes par les elfes. Pour un solo de armes, un sujet. Mais vous avez grandi dans une communauté elfique. Un régime alimentaire composé de feuilles crues et de sève. Putain, je me serais tellement suicidé. On va mettre ça, vas-y. Alors. Non, moi j'ai pris du coup un sème la mort. Autant pour moi. Moi j'ai pris un sème la mort. Sème la mort. Intelligence. Recherche de sorts. Recherche de compétences. Bah, étant donné que je suis mage et que lui il est au corps à corps, il faut bien qu'il y ait un de nous deux qui ait quand même une bonne constitution. Je vais combler aussi la vie qui me manque. Oui, j'ai vu les stats. Ouais, quand tu regardes pour les différentes classes, en bas vous avez les stats, j'en ai pas parlé, hein, mais oui, les stats en bas c'est marqué. Moi j'ai pris élevé par les elfes, ce qui fait que. Bah, en fait, je sais pas, parce que le moins raté. Suivant votre plus loin, vous avez tout plaqué pour vous rendre dans un monastère dans les montagnes. Non, je suis pas chaud pour devenir eunuque, c'est quoi ça? Réfléchir au sens de la vie. Quel est le sens de la vie? 42. C'est pas une réponse ça, oui, mais tu feras avec. C'est vrai que techniquement, intelligence et sagesse, ça devrait coller pour moi. Hein. Les gars et les. Bah non, parce que moi je suis pas. Non, bah ouais, pas forcément en fait. Idiot du village, oui non mais ça c'est le con, ça c'est con comme un balai ça. Recherche des sorts, recherche des compétences, accumulateur, alchimiste roublard. Non, élevé par les elfes, ça me semble bien. Ouais, j'avais un point à distribuer encore. Ouais, je suis sème la mort, donc je vais mettre ça. Ça me semble bon. Saisir un nom. Ah oui, afficher le clavier, autant pour moi, oui. Un nom. Un nom. Ah, il y en a un que j'utilise des fois pour les trucs genre. Ah, remarque, je pourrais l'appeler Mordred techniquement.
Ça marche. J'ai quand même... Ah bah remarque, Mordred. Ouais, ça pourrait pour changer. D'habitude, je mets Arthur. Bon, c'est si on va mettre Mordred. Très bien. Remarque, regarde le Rocco optimal. Là quoi? Attends. Pour ta classe. Ah attends, je regarde. Attends. Je vais regarder. La Rocco optimal. Attends, quand tu dis Rocco, tu veux dire. C'est l'histoire du perso? Ou alors tu me parles de. De la répartition des points et tout. C'est quoi que t'entends par par Rocco, enfin Rocco? Non, je suis devenu un vieux, il faut qu'on m'explique des trucs. C'est horrible. J'aime bien par contre les jeux de mots qu'ils ont fait avec les classes. C'est vraiment genre Berserker, Trucide, pas. Ah, quand tu places mes derniers points. Ah oui. Bah à la limite, de toute manière, je peux retirer ceux que j'ai mis. Ah, attends, on va regarder ça. Alors moi, je voulais combler le manque de vie que j'ai en fait. Parce que clairement, en constitution, c'est marqué quand même que normalement, je suis censé... voilà. Normalement, c'est un peu important pour un Sème la Mort. Donc du coup... j'ai voulu combler mon manque de constitution. Après, c'est marqué. Donc, par exemple, sagesse. Bon, jusque-là, oui. Logique. Il y a aussi l'intelligence. Ouais, jusque-là, c'est logique. La dextérité, ça, je peux comprendre que ce soit pas nécessaire. Lui, ça lui sera beaucoup plus utile parce que, vu qu'il a un frappa sismique, lui, il est au corps à corps. Donc, c'est logique. La recharge des compétences. Alors attends. Non, bah non, moi c'est recharge des sorts. Les compétences, techniquement. Balek. Comme disait un certain général anglais, un général nazi. Balek. Bah du coup, bah, je crois qu'à mon avis, j'ai dû combler mon manque de constitution si c'est marqué santé bouclier 0%. Ouais, il y a une couronne sur ta classe, c'est ça, ouais. C'est justement ce que j'ai vu. Mais je crois que du coup, il me reste un point. J'ai comblé normalement le manque de vie qui est dû à ma classe. Ah, je pourrais mettre dégâts des sorts. Allez, dégâts des sorts, c'est bien. Sème la mort. Base du perso. Mordred Pendragon. Ah, je pense que c'est bon. Alors, constitution, j'ai Ad Vita Aeternam moins 4, mais normalement j'ai dû combler les 4. Étant donné que j'ai rajouté 4 points. Parce que si vous faites le calcul, on a 10 points. Normalement, j'aurais dû être à 6 de constitution. J'en suis à 10 parce que j'ai rajouté 4 points. Et ensuite, bah, c'est pas compliqué. Hein. Synchro plus 2 et dextérité plus 4. C'est les 6 points restants. Normalement, ça devrait aller. Continuer. Nouvelle quête découverte. Bunger Bonus. Bah voilà. Alors, du coup, la question c'est. Est-ce que. Est-ce qu'il y a un chat? Tu veux qu'on parte sur un chat? Tu veux qu'on se lance un appel? Ou alors tu veux qu'on essaie de... Parce que pour des gens en coop, en général, quand on joue, on fonctionne par appel. Donc tu veux qu'on fonctionne par appel? Tu veux, je peux même brancher l'appel sur la Alexa. Hein, comme ça, on t'entend bien. Très bien, je te conseille d'être une brutasse. On est là pour vaincre le mal et se remplir les poches. Je sais que tu me vois comme un modèle. Fais tout comme moi et tu seras une main du destin parfait. Ok, une dernière chose. D'ailleurs, on dit aussi Tal from the Borderlands, faudra qu'on le fasse en jouant. J'ai le 1 et le 2. C'est parti. L'univers est un vaste havre de savoirs occultes. Je les dompterai. Attends, au pire. Préparez-vous à entrer dans un monde de fantaisie. Je vois rien du tout. Il faut l'imaginer, tête de nœud. Fermez les yeux et laissez-vous.
Vous Oula. Démarrez dans la vallée roupillante, un coin tranquille du royaume qui ne fait pas mais qui cache un sombre secret. Alors attendez, deux secondes. Vous avez fait un long périple, répondant à l'appel de la reine en personne. Il est où l'autre? La reine? Qu'est-ce qu'elle peut bien nous vouloir? Elle a peur que le seigneur dragon se réveille attendez, bientôt. What? Vous devez trouver son tombeau et empêcher son retour. Donc, si je comprends bien... Ouais, on va avoir une game déjà, ouais, si on se débrouille. Tiens, je te file une fiche avec tes points de vie, une carte et tout. C'est gentil. Très gentil. Hein, pour vous déplacer en sprintant. Oui, bah comme dans tous les jeux, quoi. Votre père est donné par une icône en forme de diamant bleu. Ouais. Oui. Tu veux le pour atteindre votre objectif suivant. Oh. Et c'est quoi du coup le point d'interrogation là? Ah, c'est pour se téléporter. Bah ouais, parce que dans un univers d'Heroic Fantasy Magique, c'est voilà, il y a des tableaux de bord et tout. C'est normal. Ainsi va la vie. Je me demande s'il y a un... Non. Inventaire. Oui. Je crois savoir c'est quoi un inventaire, ça va. J'en suis pas là. Est-ce que il y a un chat? C'est ça le truc. Est-ce qu'il y a un chat vocal? Chambre du chaos, non. J'ai pas l'impression qu'il y en ait, hein. Alors je vais voir là-haut. On va passer cette couille option. Non, j'ai pas l'impression. Je pense pas qu'il y ait de chat dans le jeu. C'est un peu dommage, hein, parce que. Justement, Gearbox essaie vraiment d'être des pionniers dans le domaine du jeu de coop maintenant. C'est leur dada. Tiens, d'ailleurs, on va tester un truc. Je vais tester un truc avec toi, voir pour les coffres. Genre, si moi j'ouvre un truc, est-ce que toi tu récupères aussi? Vous avez vu ça? D'accord, ça. Et si on jetait un œil? Ouais, ok, d'accord. Comment on retire un repère? Qu'est-ce que c'est que cette fourberie? Comment on retire un repère? Ah mais j'ai trouvé, c'est bon. Il suffit d'aller jusqu'au repère. Bonjour. Les témoins de Jéhovah. Ah, ils ont changé, hein. Ça va, niveau maniabilité. Tiens, d'ailleurs, peut-être récupérer... attendez. Parce que c'est vrai qu'il y a... Il y a les codes shift. Je t'avais, parce que nous, on a la même édition, lui et moi, normalement, cette fois-ci. On a vraiment... voilà. On a la même chose. Je vais tester les codes shift. Parce que c'est vrai que je ne les ai jamais testés. Alors, essayons. Social... On va tester vite fait un code pour voir ce que ça donne. Et s'il marche, en fait, surtout s'il marche, en fait, toujours. C'est ça le truc. TB. BX. Ça me rappelle un truc, ça. BTX plutôt. C'est ça que ça me rappelle. 3. Les gens, si vous avez connu la bonne époque des animés, vous connaissez. Enfin, remarque, ça a été un manga, je crois, avant, de toute manière. 96. T, C, Z. Putain, mais le mot de passe plus long que ma Wi-Fi, je croyais que ça existait pas, ça. 5, 3, W, C, B, B, T, B, B. Putain, mais j'ai l'impression d'être sur GTA, sauf que c'était moins chiant. X, J, T. Code périmé. D'accord, les codes ont une date de péremption, autant pour moi. Bon, après, du coup, il est où? Et là, c'est bon. Je sais pas si t'as réussi, du coup, toi, à trouver de ton côté, s'il y avait... Mon histoire débute de façon très classique. Ma mère était une semi-dragonne et mon père l'ombre d'un antispectre. Ils m'ont donné naissance sous ma forme adulte 1 an et 1 jour avant leur rencontre.
J'ai ensuite suivi des cours de théâtre pendant un semestre avant de prendre une année sabbatique et de me réorienter. Et c'est là qu'il a reçu une flèche dans le genou. Puis j'ai pérégriné et me voici. C'est bien ça, c'est bon de savoir. Alors, les... Ok, d'accord. Ok. C'est bien fait en vrai, hein. Je veux dire... C'est-à-dire que malgré ma classe, je peux quand même me la jouer un peu berserker. Alors... Ah oui, pas de souci. T'inquiète, t'inquiète, prends ton temps, mais je découvre. Alors... C'est moi si on peut aller au moulin. Qu'est-ce qu'on a là? Et je me demande si tout ça c'est pas lié juste à la au fait à l'édition qu'on a en fait. Je pense que c'est ça. Ok, d'accord, on peut glisser, on peut faire un petit tacle glissé. Ça c'est pour renvoyer un parisien sur le banc de touche. Voir toute l'équipe hein, si jamais il se prenait peut-être le vent du tacle. De toute manière, globalement, Gain et moi, en général, on partage tout. Hein. C'est-à-dire que moi, s'il y a des trucs qui l'intéressent, bah, je lui passe, surtout s'il a besoin de certains trucs, et inversement. Donc, moi, en vrai, si... À mon avis, c'est lié à nos... Alors, je vais peut-être vérifier après, mais à mon avis, c'est lié à nos éditions. Parce que nous, on a l'édition, on a complète. Season Pass, tout ce qui est possible est présent dans le jeu, normalement, là. En théorie. En théorie, on a tout. Je me souviendrai toujours Borderlands 2 quand j'ai débuté, que t'étais vraiment dans la casse, etc. C'était génial. Surtout le générique, en fait. Le truc le plus incroyable du jeu, pour moi, c'était le générique. Il était juste, il se suffisait à lui-même, quoi. Ok. Bah tiens, d'ailleurs, en attendant que Kane arrive, l'écouter un peu à nouveau. Attendez. Générique. Ah, demande d'échange. Ah, mais cool, attendez, il a fini. Ouais, donc ça, c'est la demande d'échange. Tu veux que je te passe des trucs? Ça va être compliqué étant donné que j'ai rien. Au pire, appelle-moi, on mettra le truc sur le micro de l'Alexa. D'ailleurs, ton perso a une biographie, au fait, hein, qui m'a balancé dans la gueule. Ah non. Attends. Normalement, on peut se parler comme ça, parce que moi, j'ai rien. Alors ça, c'est pour mettre des coups. C'est noté. Ah, attends. Attends. Non, c'est intégré, normalement c'est bon. Tout est dans les paramètres, normalement le son. Si micro, il y a, normalement c'est possible. Si s'il y a, normalement je devrais t'entendre. C'est relatif, c'est quand même assez beau. Dites-vous que tout ça c'est parti du fait qu'ils ont voulu tester un truc avec une extension et que l'extension étant l'extension elle a eu un assez bon succès pour qu'après les mecs ils se disent on va aller plus loin. C'est fou hein que d'une extension on aille vers la droite. Je sais pas pourquoi mon perso il penche vers la droite. Attendez,
Ah, donc ce que je veux dire, c'est que c'est fou que d'une extension, les mecs soient allés jusqu'à faire un jeu complet. Mais c'est déjà arrivé, hein, PUBG à la base, c'était. Non, c'était H1N1 qui était une extension, mais je sais plus de quoi. Valet, tatata. Ok, d'accord, oui. Zone du didacticiel. Alors par contre, je peux rien utiliser niveau compétences, je suis un clone. Je suis un clodo, c'est-à-dire que j'ai pris un mage pour pas pouvoir utiliser les compétences d'un mage. C'est merveilleux, je ne demandais pas plus, hein. Compétences, ouais. Ah, pas dans le jeu, putain, merde. Franchement, les mecs, c'est le Gearbox, c'est votre chance. Fallait le faire. Bah écoute, au pire, appelle-moi. Moi, je vais brancher le truc sur la Alexa, comme ça on t'entendra bien. Je vais rentabiliser la Alexa. Bien qu'elle serve à quelque chose. Votre appareil est désormais connecté à Galaxy S21 Night Cross. J'ai la musique de Borderlands 2 en tête, c'est incroyable. Ouais, y a des... Alors du coup les coffres, toi, est-ce qu'il y a des... tu pourrais... Attends, vite fait. Là, les coffres, ils étaient fermés quand t'as fouillé, genre là où je suis. Est-ce que... Remarque, je vais vérifier tout de suite. Vas-y, ouvre les coffres là-bas. Je vais voir. Parce qu'à mon avis, ça, c'est lié à l'extension, ça. Ça, à mon avis, c'est rattaché à... Enfin, pas l'extension. Vu qu'on a le bundle complet, à mon avis, les coffres qui sont là, si toi, tu les ouvres et que moi, il y a toujours... je peux toujours y accéder. Toujours actif, c'est mieux comme ça. Oh, putain. Ah ouais. Je t'entends, c'est bon, putain. Ah bah, c'est génial. Et comment t'as fait? Tu m'entends maintenant? Ouais. Ah bah, sinon, je te répondrai pas. T'as fait comment? C'est bon comme ça le son? Ouais, je t'entends. Non, t'inquiète, je t'entends. T'as pas l'air de fonctionner. Ah. Donc quoi, toi, voilà, quand toi tu ouvres, ouais, d'accord, ok, ça le prend. Bon, mais je me disais peut-être c'est un truc lié à nos extensions, d'accord, ok. Enfin, ouais, nos extensions, non, pas nos extensions. Un décalage en plus. Ouais, un peu, ouais, vite fait. Là, t'as un coffre aussi. Tu l'as loupé. Oh, c'est pas grave, si contre moi c'est contre toi, donc. Normalement, il y a un coffre que t'as loupé derrière toi. Enfin, là, moi où je suis. Il y en a, les mecs, ils nous ont envoyé genre dans le jeu, mais. Toujours actif. Ouais. Je suis censé être un mage, bordel de merde, j'ai aucune attaque. Comment quoi? Hein? Normalement, si tu te retournes dans ma direction, enfin, bah, tu te retournes tout simplement. Il y a un coffre que t'as zappé là. J'ai aucune touche d'attaque, enfin, il n'y a rien. À part ça, je suis un mage, je peux cogner les gens à la limite. Ouah, le décalage de malade. À ce point? Tu Comment préfères tu qu'on s'appelle avec 10 minutes d'écart? Ouais, tu veux qu'on s'appelle? Tu préfères? Remarque, là, on sera en direct. Si on... Là, c'est un décalage, c'est qu'on est dans deux dimensions différentes. Gearbox, toujours sur les bons coups, hein, les mecs. Ouvert. Ah, il y a un truc là. Par contre, il y a personne qui vit ici. Là, tu peux frapper aux portes. On devrait. Ouais. À 10 minutes de latence, putain. Bah, si tu veux, au pire, on peut s'appeler, hein. Moi, ça me dérange pas, hein.
Dans le doute, j'ai mis le truc sur la Alexa, comme ça au moins on t'entend bien. Et moi, au pire, je retire le casque. C'est pas un problème. Je m'en fous. Je suis sûr, au contraire, même, j'aurais moins mal avec les lunettes si je mets pas le casque. Enfin, les lunettes me feront moins mal. Être plus simple. Ah, attends. Faut juste que je fasse un truc au niveau du son. Voilà. Comme ça au moins je t'entends. Alors voilà. Bon. Elle est passée où la télécommande ? C'est un début d'aventure mal engagé, on va dire. Ah, regarde ça comme ça. Ouais, c'est bon ça, nickel, ouais. Bon. Voilà, on va faire ça comme ça. Ouais. Alors attends, normalement. Bluetooth, voilà. Vas-y, parle pour voir. Non. On est obligé de mettre en vidéo. C'est de la merde. Attends, je suis obligé de mettre en vidéo pour qu'on entende. Non, c'est bon. Vas-y, parle. Alors, ça, c'est là, ok. Donc, je vais passer. Voilà, c'est bon. Connecté. Qu'est-ce que c'est que ce bimis ? Connecté ? Attends. Alors si même de mon côté ça peut c'est ça va pas être. Oui, ta gueule. Connecté à Galaxy S21 Night Cross. Attends, parle pour voir. Ouais, alors visiblement Alexa elle est pas très conciliante. Non, mais c'est pas grave ça. Vas-y. Oui. Ouais, on t'entend. Ça va. Ouais, pas très conciliante. Remarque, il y a un truc que... Ah bah non. Ah si, quoique. Quoique, attends. Ouais, non, je pourrais pas. Ce que je vais faire... Attends, deux secondes, j'arrive. Hop, c'est bon. Petite seconde. Satan. Bon, on vient après comme ça. Ouais. Non mais parce que moi je vois venir le va ouvrir au chat. Donc je préfère essayer d'éviter. Alors. Ah. Oh. Eh ben putain. Alors, c'est ça. C'est rien. Ah, j'ai shooté dans un truc. Enfin, techniquement, j'ai shooté dans plein de trucs, mais bon. Ah, ça c'est bon. Ça, je le mets là. Ça devrait être bon. Alors. Augmenter le son d'un peu tout. Voilà. Ça, je le prends dans la main. Vas-y, je t'écoute. Ouais, ouais, je t'entends. Bon, moi, c'est déjà ça. Je vais redresser ce truc-là. Voilà. Et c'est bizarre, je comprends pas pourquoi il marche pas avec le. Attends. Pourquoi est-ce que ça prend pas en compte? C'est quoi ce délire? Alexa qui prend pas en compte. Enfin bon. Ça valait le coup d'investir là-dedans? Ouais, c'est ça. Même pas fichu de prendre en compte le son d'un appel. C'est une honte. Ah, quoique. Attends, si. Ah, si, attends. Tu peux me rappeler via mon numéro?
Ouais, parce que du coup, à mon avis, elle prend l'appel, mais pas Messenger. Attends, rappelle-moi. Alors, je vais m'occuper de ça. Alors, justement, ouais, attends, du coup, je vais mettre via Alexa. À mon avis, c'est juste Messenger en fait que ça prenait pas en compte. Attends. Votre appareil est désormais connecté à Galaxy S21 Lite Cross. Ensuite, Bluetooth. Alors, c'est vraiment que j'ai pas de chance. Vas-y, parle! Ouais, je t'entends. Bon, après, j'aurais préféré t'entendre via. En avis, Alexa, je sais pas. Elle me fait une crise de. Voilà, elle me fait une crise de jalousie, je sais pas. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, ouais, c'était un peu galère. Mais bon, maintenant, ceci étant fait, t'es où? Ah. Ouais, non, mais je comprends, t'inquiète. T'inquiète. Donc, bon. Moi, j'avais déjà fait un peu comme toi, Assault Dragon Keeper là, enfin la forteresse du dragon. Moi non plus, tu sais, je me suis tapé le nain au début. Je me suis arrêté au nain. Bah, le nain. Ah, ça m'a un peu fait rire quoi, te faire courser par un nain. Ah oui, d'accord. Elle nous guide dans notre quête. Franchement, j'adore les trades françaises des noms. Les talons du cul et tout. C'est génial. Il faut plus des comme ça. C'est une espèce appelée sautus. Ah ouais. La bouche en cul. Il y a même la bouche en cul de poule. Eh bah oui. Magique. Ah tiens, attends, je vais juste vite fait brancher un truc là-bas. C'est vrai que je l'ai pas mis à charger, c'est vrai que ça se... Alors attends. Vous remarquez la lueur d'un acier tranchant. Juste, je mets ça là. Allez, c'est ça, hache dans une Wait, what? Ah, non, j'ai peur. C'est bon, c'est mini. Enfin, c'est branché. Tu disais quoi? J'adore les haches. Ça peut fendre le crâne de nos ennemis ou même les tailler. Ah merde! Attends. Attends, je modifie ça. L'entrée d'une grotte non loin. Ouais, mais je modifie quand même. Si seulement vous pouviez entrer. Non, j'ai mis coopération. Oui? Regarde sur le live. C'est bizarre ça. Regarde, je peux même pas le changer. Non, si tu regardes sur l'écran de. Bah, si tu regardes sur la retransmission du live, je peux pas le changer. Je suis en coop. C'est de la coop de radin en fait. Bon, c'est pas très grave, remarque, tu me diras. Alors, ouais, moi, par contre, mes pouvoirs, comment ça marche? Ah! Pourquoi t'as une hache dans le dos? Ah! J'ai toujours le A de Denis Brogniart en fait. Ah, mais moi aussi en fait! Ouais? Mais du coup, faut passer ça là. Mais comment elle est passée la licorne? Une vraie main du destin sait garder. Ouais, ouais, elle traînait du cul, tu sais, sur 3 km. C'est une sacrée ça, race hein, comme licorne. Et si tu cours, ouais, le tacle glissé, ouais. À la limite, si on croise Neymar, ça peut peut-être servir. Alors, par contre, ça ne pète. Hein? Alors, le tacle, par contre, ne pète pas les caisses et tout. Non, mais des fois, c'est quand tu trouves des caisses et tout. Moi, j'avais voulu faire un tacle pour voir. Est-ce que ça pète la caisse? Non. J'ai ma réponse, non. Ah, je l'ai pété, hein. Je l'ai pété à la main. Ça aussi, c'était dans le standalone, ça. Ça y était, ça. Attends.
Ouais, tu sais, les tas de cadavres, ça y était au début du jeu. C'est de la bonne caïd. Ce qui est bien, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment dans le style des Telltale, donc ça me marre, ça me parle. Toujours ce graphisme. Ouais. Ouais, un combat, zigouillet. Ça pince super fort. Je suis quand même un mage qui frappe avec une hache. Hein. Son âme fouille désormais les eaux de l'âme. Je frappe. Je suis le mage le moins crédible de l'histoire. Ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment juste qu'il aura des compétences particulières. Et allez savoir pourquoi. Ils transportaient toutes leurs économies sur eux. Vous en avez du bol. Je crois qu'on a tout tué, c'est bon. Bah, remarque, moi ça m'arrange parce que justement j'avais cette crainte à un moment donné de genre d'être bloqué avec un marteau ou autre chose. Mais c'est les licornes qui a écrit sur la pierre. Suivez mes pas dans le. Ouais. Suivez mes pas, mes enfants. Ouais, c'est ça, allez dans la lumière. C'est en plus un monde d'Heroic Fantasy et tout, genre princesse, sorcier, chevalier et tout, mais t'as des fusils d'assaut. C'est le prince dans la Belle au Bois Dormant, il en a eu marre. C'est le dragon Anabat. Moi j'ai un lance-roquette. Écoutez. Ah ouais, toujours fouillé, regarde ce qu'il y a. Moi je vais voir ce qu'il y a là. C'est super. En vrai, c'est super joli. Je pense qu'on devrait avoir plus de jeux. En mode. Là, il y aura peut-être un monstre un peu balèze, vite fait. Ce style cartoon. T'as été dans le trou? Question que j'aurais jamais posée à personne. Non, y'a rien. Eh ouais, ouais. La reine régnait déjà sur le royaume quand j'étais encore qu'une noob. Bravo. Elle a prédit votre arrivée et vous a laissé une arme. Ah, oh putain, oui, tu te souviens la visée? Une arme. Avec le fusil. Genre le temps que les balles arrivent sur eux et tout. Ouais, bah en même temps, c'était une extension. Ouais, c'est une arbalète. Bah oui. Bah oui, une arbalète. Qui tire des balles. Pas de faire des jolis trous. Bah oui. Attends, y a des flingues dans la fantaisie. Ça tire même pas des balles. Ouais, non, même pas, tu sais. Of course. C'est ça, en fait. Et t'as différents types de tirs, genre rafale 4 coups, etc. 2 coups. Vous apercevez un village tout. Regarde en bas à droite, normalement, c'est marqué. Ouais. T'imagines, tu viens genre, tu vas voir un forgeron, tu sais, avec un M9, un lance-roquette, deux Magnum. Vous avez besoin d'une épée? Non, ça va. Il sera dans ce château. Ça va. Bon, ça à la limite, ça rend le truc un peu plus fun. D'ailleurs, si tu sautes et que tu appuies sur, attends, c'est quelle touche? La touche d'attaque, tu peux faire un, non, la touche pour t'accroupir. Tu peux faire une espèce d'attaque un peu. Ouais, c'est moins galère, j'avoue. Ouais, les mecs, ils sont dit on va arrêter la merde qu'on avait fait avant. Ah, y'en a un, il en veut. Tu sais, imagine les mecs, ils ont des arcs et tout, nous. Des pistolets. C'est semi-automatique. J'en ai fait qu'une. Ah, y'en a, vous avez peut-être des arcs et des flèches, mais moi, j'ai un pistolet semi-automatique. C'est l'Amérique arrive dans un univers d'Heroic Fantasy. Tu me diras, franchement, le prochain film Blanche-Neige, là, c'est à deux doigts de me demander si vraiment le prince charmant, il va pas débarquer avec un P90, comme dans Stargate, P90 en main, elle est où la sorcière? Ah, faut aller là-bas. Lui, j'étais complètement lâché. J'étais tellement en admiration devant les décors que j'ai oublié le scénario. C'est tellement beau. Ouais, j'arrive. C'est. Ouais, j'avoue. Oui, c'est ça. Là, j'ai récupéré mon bouclier. Et je me suis rappelé que j'étais un mage. Je me suis dit, putain, c'est vrai que je suis un mage normalement. Bon. Allons-y. C'est noir, je rentre pas là-dedans, moi. Ah bah voilà. Ah bah voilà, ça règle le problème. Alors du coup, on est allé jusqu'ici, pourquoi? Des caisses de munitions, mais ou alors on a été trop fort pour le truc. Ça à la base, il y avait des munitions pour.
Ouais, remarque, oui, c'est vrai. Ils ont mis 1,3 milliard de munitions. Au cas où ils sont cons, tu vois. C'est au cas... Ouais, ouais, ils tirent un peu partout, tu vois, genre, ouais, en mode américain. Oh, oh, un éboulement vous barre la route. Ah, c'est foutu. On est perdu. Très héroïque, tout ça. Et Tina, on peut faire sauter les rochers. Bah oui, on peut faire sauter les rochers avec du C4. À moins d'avoir des explosifs. C'est ça. Victoire. J'ai toujours cru en vous. Un peu plus loin. Vous entendez le crépitement d'un feu violent. T'imagines les gens qui vivent ici, genre on vient, on détruit tout. On est là pour sauver le village. Pour sauver le village, ouais, vous êtes plutôt là pour le détruire en fait. On est là pour vous sauver. Pourquoi vous avez fait péter notre village? Ça fait partie du sauvetage. Oh, le village a déjà été saccagé par... Ah, il a déjà été saccagé, tu vois, on n'est pas arrivé. On est là pour venger le village. Tous transformés en tas d'os. Domaine de... Pas le temps de lire. Mais c'est vraiment des flèches en fait. Quand tu tires, à un moment donné, tu tires sur le sol, tu verras les carreaux. Ah ouais. C'est des carreaux d'arbalète. Des... Enfin, qui ressemblent à des tirs de la... de d'armes de race, mais... Non, les mecs, ils viennent avec des arcs, des flèches, des haches, tu vois, t'as deux mecs avec... T'as deux mecs avec des pistolets semi-automatiques. Ah, par contre, il y a les dégâts de feu. Fais gaffe. C'est vraiment... Ouais, ouais, c'était quoi? Constitution, intelligence, sagesse... Je sais pas, il y avait un à la fin, ça voulait rien dire pour moi. Ah, il y en a un qui a survécu. Attends, on peut le tuer? Non. On le doute. Tu as flotté telle la feuille. Dans le doute, je me suis dit peut-être on peut. Attends, je me suis fait prendre par derrière. Qu'est-ce que tes parents ont mis dans ta soupe? Vous avez réussi les coups critiques avec le pistolet terminé. Bah, en même temps, avec toutes les balles qu'on tire, à un moment donné, on fera peut-être un coup critique, oui. Mais elle a l'air à deux doigts de clamser. Allons sauver cette décor. Au bout, tu sais, quand tu tires avec une mitrailleuse lourde, au bout d'un moment, tu finis par faire mouche. Ah, tiens, ah ouais, merde, du coup, toi, tu récupères pas les mêmes trucs que moi. Je regarde si tu veux, j'ai des trucs sur moi. S'il y a des trucs qui peuvent être utiles, je vais regarder moi ce que j'ai. Alors, ah, c'est vrai que j'ai enfin un point à distribuer. Faucheuse, toute sa santé. Elle est où ma liche, bande d'enfoirés? C'était marqué sur le papier. C'est marqué que je suis censé... Demi-liche. Ah. Ouais, ouais. C'est ça. Mais elle est où? Comment on l'invoque? Absorption. Les armes élémentaires. Le lourd sacrifice. Enveloppe mortelle. Compétence... Mais moi, je la trouve pas, ma demi-liche. Hein. Ou elle est en vacances? Bah, en fait, je suis là dans les compétences. Je sais pas. Ah, familier, demi-liche. Qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir? Je sais pas, c'est... Oh là! Je sais pas, c'est marqué lock. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Ça sera plus tard. Bah, c'est pour plus tard. Hein. Voir stat héroïque. Stat héroïque? Ah oui, on peut répartir aussi les... Ouais, on peut aussi encore améliorer nos stats. Ah, j'ai augmenté pour l'instant ma constitution, étant donné que je peux pas lancer de sort. Enfin, la main du destin, blablabla, bla bla. Enveloppe mortelle, succion vitale. Chaque fois que la main du destin lance un sort. Et comment ça, la main du destin, ça... Ouais, bon, je sais pas si je vais faire comme ça. Oui, donc du coup, je disais, oui, je crois que j'ai dû récupérer des armes. Ça peut... Alors j'ai une faucille si tu veux. D'accord, donc tu l'as.
À mon avis, une bonne partie en vrai des trucs que je récupère, tu les récupères aussi. Enfin, j'espère, hein. Alors, j'ai pas récupéré d'armes à feu. Ah, si, j'ai récupéré une arme à feu. T'en as une? Ouais, tu l'as aussi. Ouais, c'est ça. Non, moi... Ah, oui, ça dépend de la classe. Je crois. Toi, t'as un fusil. Ben, moi, j'ai un. J'ai une micro-arbalète en fait avec un viseur. C'est. Ouais. Ah oui, ah ça peut être pratique ça. Pour geler l'ennemi avant. Ah ce qui est dommage par contre c'est que du coup on peut quand même se prendre les dégâts aussi. C'est des munitions là. Ah ici c'est pareil en fait c'est que des munitions majoritairement. Il y a des petits coffres un peu partout mais c'est du cash. À mon avis du coup on pourra s'en servir pour acheter des trucs en théorie. Ah là. Ouais, trouver tous les dés de la chance, de la vallée roupillante. Et ben voilà, tu vois. Ah, j'en rêvais d'avoir une autre faucille. Je voulais tellement en avoir une autre. Putain, j'ai lu Dalida, moi. Hein, c'est Dalia, mais j'ai lu Dalida. Dégâts 19, dégâts 16. Bon, ben du coup, ouais, changer pour l'autre, mais bon. Il y a des fils arc-en-ciel. Mais à un moment donné, tu vas voir qu'on va finir par se faire enculer dans cette histoire. On va force de voir des arc-en-ciel partout. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu pendant la création du personnage, genre t'avais des pronoms et tout. Mais en fait, ça marche pour Borderlands parce que c'est tellement what the fuck la licence, tu vois. Que des trucs comme Yell, etc. Non, mais ça fait partie du... Nous, on le faisait avant les woke. On était woke avant les woke. Ça a toujours été what the fuck, hein, Borderlands. Par contre, je suis pas sûr. C'est un peu bizarre que l'eau devienne verte au bout de la cascade, mais bon. C'est un manque d'heroic fantasy. Hein. Qui suis-je pour critiquer? Ah, vous faites, t'as vu du coup que le prochain iPhone, il va sortir avec un USB-C comme les... Enfin, c'est bon, c'est fini. Ah, ils ont pas le choix. On vous a dit, c'est fini, les Lightning. Mais on aimerait, on s'en fout de ce que vous aimez. Fini, fini. Bon. Ranimer l'allié. C'est pas un allié. C'est marqué Pécor d'ailleurs. Merci sur sa tête. On dirait Léo Dagan qui parle. Que je suis. Comment puis-je vous remercier? C'est cadeau. Ah non, on peut pas la tuer. Je cherche le seigneur dragon. Tu es la main du destin. Je savais que la reine nous enverrait. La main du destin. C'est pas la main, c'est pas un truc de Sauron ça? Au-dessous du château de Vif-Aigreur. Fais vite avant que ses sbires ne la trouvent. Ah. Le tombeau est dans une... C'est la cachette idéale, bah oui. Of course. Que les faveurs de la reine vous soutiennent dans votre noble quête. Parce qu'il y a une reine ici. Ouh, mon coccyx de Pécor me fait des misères. Les ruines du château de Vif-Aigreur sont... Putain, c'est dommage qu'on puisse pas la tuer. Ça veut dire là-bas, en cause correcte. Je sens la présence du seigneur dragon. Je sens qu'on va beaucoup plus s'amuser qu'avec Outrider. What the fuck comme c'est? Attends, je croyais que le seigneur dragon avait été vaincu. Ouais, mais c'était il y a un bail. Ah, c'était dans la version 1.1 en fait. C'est chaud de le tuer pour de bon. Dans la version 1.3, ils ont changé. La reine étalon du cul l'a fait enfermer dans un trou. Oh, le viseur, rien à battre, hein, enfin la lentille. Hein. Tu regrettes de ne pas avoir fui, je parie. Bonjour. Pas parce que vous allez là-bas, je peux pas vous choper. Hein. Je vais même pas te laisser le temps d'avoir. Ah voilà. Attendez, un sort de mort sur des squelettes, ça marche? C'est vrai. Ah ouais. C'est comme utiliser, j'ai envie de me dire, mais c'est comme essayer de noyer un poisson. C'est complètement con. Oui, justement, parce que c'est con qu'on l'a fait. Ah non, moi je croyais qu'il y avait des trucs et tout, c'est juste des aubergines et des pommes de terre. Ah ouais, il y a du nombre par contre, heureusement qu'il n'y a pas le tiralier. Hein. Voilà, ça c'est fait. T'es où, enfoiré?
Bon, toi, occupe-toi de celui-là, moi je vais prendre. Putain, le mec il a plus de bras, il a plus de tête, y'a rien. Je peux laisser des coups de pied au cul. Vipégreur est une ruine délabrée. Ouais, délabrée, ouais, je vois ça. Plus personne de vivant. Attends, justement, ouais, j'ai rien à truc. Squelette, donc. Et ouais, ma poule. Fait. Je vois que rien t'échappe. Vas-y, non, mais allez-y, frappez-moi. Hein. Bon, on en est. Alors, vas-y, parle vite fait. Ouais, c'est bon comme ça. Non, mais tu sais, pour éviter qu'il y ait des échos et tout, du coup, j'ai mis le casque. Ça évite les échos. T'avais pas un retour, toi, bizarre? Ah, mais c'est pour ça. Ouais, mais je suis obligé d'avoir le live sous les yeux. C'est peut-être ça. Mais pourquoi je combat des rugbyman? C'est la saison. Vous savez, la Coupe du Monde de rugby, tout ça. C'est des recalés au casting, en fait. Lui, il marche tranquille. Il y en a un, il marche, t'as l'impression, vraiment. Il s'est levé le matin, petit chocolat, tranquille. Là, on commence à choper, par contre, des armes à feu. Je sais pas pour toi. Si tu veux, j'ai un pistolet qui a des dégâts de glace. Si ça t'intéresse. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah, moi, du coup, j'ai réussi à obtenir un fusil, mais je sais pas ce qu'il fait. Enfin, je sais pas si. Ouais, remarque. Attends. T'as joué à Halo? Tu te souviens l'espèce de flingue des Covenant là qui tire des cristaux à tête chercheuse? Ouais, on dirait un peu ça. Ouais, on dirait un peu ça. Attends, t'es parti dans le château? Ah, parce que justement je me disais où t'étais. Du coup, en fait, ça me rappelle un peu ça, bizarrement. C'est ouais. Ah, je rappelle, normalement, je suis un nécromancien. J'aime bien le préciser quand même. Je sais être un nécromancien, c'est. Ah, mais vous savez, il faut renouveler un peu tout ça. Allez, prends le deuxième coffre. De toute manière, moi, si je chope des armes. Non. Si je chope des armes avec des trucs intéressants, de toute manière. Et là, on a des armes. Regarde-moi ça. Je pourrais être maître du bunker après cette quête. J'ai une campagne. Bah, du coup, moi, j'en prends. Vas-y, prends. Moi, j'en ai pris une. Je t'ai laissé une arme alors avec des dégâts de poison, j'ai l'impression. Et après pour les deux autres, je sais pas. Il y avait deux armes avec dégâts de poison, moi j'en ai pris une. Je te laisse celle-là et les deux autres, je sais pas laquelle tu veux. Enfin, prends-en deux et moi je prendrai la dernière. Ah, donc au niveau des armes, ok, d'accord. En fait, ok. Autant pour moi. Donc en fait au niveau des armes, on est égalité. Et pourquoi au niveau du pognon on l'est pas? C'est qui a fait le jeu? Ah, bah attends. Ouais. T'as obtenu une compétence qui peut te servir là? Regarde, peut-être il y a un truc intéressant. Hein. D'accord, ok. Bon, moi j'en ai une qui. Ah, ok. Moi j'ai un truc qui permet de tuer des morts. Pas très rationnel, mais bon. Bon, la rationalité, partir en vacances, c'est un bail. Normalement, c'est un peu le principe, hein. On peut pas tuer ce qui est déjà mort. Hein. Attends une minute. On peut pas tuer ce qui est déjà. Non, j'ai autre chose en tête, je me disais. Mais attendez, dans Senseiya, dans l'Arcades. dans l'Arcades, les renégats là qui se font buter. On peut tuer ce qui est mort? Parce que Deathmask et Aphrodite là, quand ils vont genre attaquer Pandore, ils se font buter par Adamant. Donc on peut tuer ce qui est mort. Ah ouais, non, je vais prendre l'autre plutôt. Attends. D'accord, j'ai un pistolet de airsoft. Waouh! Putain, c'est balèze. Bah, si y a un. Ouais, moi aussi j'ai un peu galéré. Bonjour.
c'est en fait, si ça se trouve, c'est nous, on les envahit depuis tout à l'heure. Hein. C'est pratique de pouvoir les figer sur place. Les faibles n'ont pas leur place dans ce monde. Ouais, c'est plus pratique que dans les autres jeux. Utiliser le décor à notre avantage. Il est mort lui là-bas? Ah oui. Ah dans le 2. Ouais ouais c'est ça, mais je me demandais parce que maintenant vu qu'on peut... J'ai vu qu'on peut tuer ce qui est mort, je me posais des questions. Ah là il y a des coffres si tu veux. En fait, je sais pas, ils ont mis blindé, ils ont mis vraiment genre vraiment. C'est l'Amérique hein, il y a des caisses de munitions partout. Tu sais, c'est à deux doigts de te demander si s'il y a pas un mec avec un drapeau américain, America fuck yeah. Pourquoi il y a autant de munitions? Ou alors les mecs, genre ils sont partis du principe que peut-être vous puez la merde. Tu sais, du coup dans le doute, on a mis des munitions partout. Tout ça, vous pouvez pas crever comme des merdes. C'est ça, c'est, t'imagines. Et t'imagines, on perd quand même. Ouais. Ah non, il bouge pas lui là-bas. Il y a un mec là-bas, mais il bouge pas. A mon avis, il fait la sieste. Ah, c'est ça, putain. Si tu cherchais les ennuis, tu les as trouvés. Vous êtes censé crever. Enfin, vous êtes censé déjà être mort. Ouais. La salle du trône de Bifigreur est complètement vide. En général, après, quand t'es un squelette, t'es froid de base. À part, je sais pas si tu te souviens dans Harry Potter. Si. Pareil, dans World Legacy. Des espèces de drogues là. Enfin, moi j'appelle ça des drogues, mais c'est genre des zombies. Chope le bouquin. Putain, j'ai trouvé. Attends. What? La magie, c'est cool ça. Sort, vous avez trouvé votre premier sort. Ah, on trouve des sorts en pocket surprise. Salut. La magie de glace est efficace contre les morts vivants, vu qu'ils ont plus un poil de graisse pour leur tenir chaud. Bon, comment on entre dans la crypte? Il doit bien y avoir une entrée dans le coin. Sorte des trous noirs. Caché. En fait, c'est Skyrim mais américain. Ça, t'as sûr? Genre si Skyrim avait, si ça avait été fait par des Américains, ça a été fait par des Américains. Bah c'est pour ça, ça m'étonne. Mais non, si, je me souviens que dans les mods, il y avait des mods pour des armes à feu pour Skyrim. Il y a des mods avec des fusils d'assaut. T'as des mods sabre laser et fusils d'assaut. Le roi est mort, vive le roi, dégage de là toi. C'est très petit comme trône quand même. Hein. Faut vraiment faire la taille de Zemmour. Hein. C'est petit quand tu montes dessus. Ou alors on est très grand. Ah, faut tirer sur ça. Hein. Bah, visiblement, ça peut se péter. Et bam. Hein. Ah oui. Ah bah oui, of course. D'ailleurs, si tu sautes et que tu fais normalement la touche du coup pour t'accroupir, tu fais un dash, enfin tu fais une attaque de zone un peu à la Hulk. Non, une attaque à la Hulk. Tu sautes et tu utilises la touche pour t'accroupir. Mes servants sont nazes. Regarde. Et les prophéties, je leur crache dessus. Chut. Voilà Thor visiblement parce que j'ai une hache. Que ma famille respecte cette prophétie débile. Les vifs aigreurs doivent protéger ces terres. Le vif aigreur viendra les ronger. Ouais, ben ces terres, elles sont nazes. Ciao.
la connasse qui parle depuis tout à l'heure. Je fais ça pour la capitale. Au moins, la bouffe est bonne. Après, là, pour franchement, pour appuyer sur le piège... Hein. Là, franchement, le piège, pour se le prendre, faut le faire. Attends, il y a un autre piège, là. On va contourner. Je sais pas, il y a des zones piégées bizarres. C'est toi qui fais trembler le sol. Dis parce que c'est balèze si ça arrive à trembler ici. Hein. Ribula. Mais on se croirait vraiment, t'as l'impression d'être dans une grotte de Skyrim. Avec un effet cartoon. Il y a des modes cartoon pour Skyrim. C'est tout le contraire de ce qu'on veut. Il faut qu'on entre. J'essaie un jour. D'ailleurs, j'avais fait comme tu m'avais dit, au fait, sur Skyrim. Tu m'avais dit, finis pas la quête avec le vampire et tout, pour, enfin, certaines quêtes, pour avoir 4 ou 5 compagnons. Du coup, j'ai pu les cumuler. Ouais, ouais, comme ça, tu vois, dans les moments où t'es censé être pris en embuscade à 20 contre 1, pas 20 contre 2, tu vois, on est 10. Venez, hein. Critique. Vous avez tué des ennemis à la mitraillette. Ah, c'est une mitraillette. Je sais plus, moi, au bout d'un moment, je sais plus ce qui fait quoi, ce qui est quoi. Bah parce que tu sais, il y a dans tellement de jeux, tu vois, genre des armes, t'as l'impression que c'est un fusil d'assaut, alors qu'en fait, non, c'est un fusil à pompe, enfin physiquement. Genre, il y a des fusils à pompe qui ressemblent à des fusils d'assaut. Et tu comprends. Je sais pas si t'avais déjà vu. Tu sais, les fusils à pompe, mais vraiment qui ressemblent à un fusil d'assaut. Genre, même la crosse, etc. Enfin, tout. Enfin, si t'as fait dans ta FS, t'as déjà dû en voir. Mais... J'ai une figurine spéciale pour ça. Une petite seconde. Elle a été dans un magasin de RP. J'ai acheté le bon petit manuel du bon petit GM. Fidèle Morvévan, Seigneur Dragon. Et bien, j'adore comment elle est à fond. Mais elle est. Ouais, mais tu vois, ça c'est bien tu vois, quand une extension réussit et qu'après ça donne un truc cool comme ça. Attends, je vais tester un truc, mais je suis pas sûr de mon coup. Si je m'approche un peu. Ça marche sur lui ou pas? Ouais, la vie. Ah, tout à l'heure. Ouais, non, moi tout à l'heure. Non, mais je sais ce que ça veut dire d'être un nécromancien maintenant. C'est bon contre la ne va pas au contact. Fuis pour vivre. Non, mais moi. C'est maintenant, je sais ce que ça veut dire qu'être nécromancien. Alors, toi, à mon avis, toi, c'est des chatouilles. Ah, il fait quand même des dégâts, ouais. Il passait où Barrage magique. Je me tire. Run away. Heureusement qu'il y a des coffres partout, sans vie. C'est un boulot de tueur, pas de cadavre. Et bah voilà. Le machin, c'est vraiment, c'était une piñata. Ah ouais, c'est une piñata le machin. C'est là et j'ai jamais vu un boss exploser comme ça. Alors je suppose que toi, t'as eu des trucs propres à ta classe. Ah ouais, c'est vraiment le pifomètre quoi. C'est. Mais en vrai, peut-être que moi, à Atomic Heart, peut-être que je vais attendre un peu, j'y réfléchissais. J'attends qu'ils sortent les extensions qu'ils avaient prévues et tout. Conjura. Ah, incantation. Ah. Ah, ok. Magique barrage. Projectile de sort lancé. Ralentit les ennemis. Incantation basique. Bon, normalement, ça c'est. 15% de chance d'absorber les balles pour les ajouter à vos munitions. Comment ça d'absorber les balles? Il n'y a personne qui nous tire dessus avec des balles.
Ah, d'accord. Non, parce que ça me semblait bizarre, tu vois, je vois des clés, mais quelle balle! Il y a un mec qui s'est réveillé, il s'est dit, mais attendez, ils utilisent des armes magiques et tout, enfin des fusils d'assaut et tout, on pourrait le faire aussi. Peut-être il y a un mec qui s'est réveillé, je sais pas. Résistance 13%, vitesse de recharge. Il n'y a pas la touche qu'en plus comparer, donc mange tes morts. Ça compare automatiquement? Ah, ok. Ah, ok. Ah oui. Ah. Capacité 130. Délai de recharge plus rapide celui-là. On met celui-là. Par contre, j'ai un bouclier empoisonné. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais, possible, oui. Alors, ils me prennent pour un con. C'est bien quand tu appuies sur les munitions qu'il y a, tu peux les faire sauter en l'air. Compétences, j'ai pas de points à rajouter. Ma liche, elle est toujours pas là. Hein. Par contre, putain, on est les persos d'Heroic Fantasy les plus brillants que j'ai jamais vu. Hein. Là, c'est les mecs en général, tu vois, ils sont discrets et tout avec du cuir, du cuir, du fer, etc. Non, non, moi je brille dans le noir. Faites ce que vous voulez de ça. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais je crois que c'est ça. Tu te souviens de l'extension là, de Tina, la forteresse du dragon? La voix de Zéro, je crois qu'elle a été changée. Parce que moi, je m'en souvenais pas comme ça de sa voix. Il y avait une voix beaucoup plus cybernétique, enfin, genre impersonnelle, avec un effet, genre, comme si vraiment il parlait à travers un micro. Alors, peut-être il y a eu un problème, je sais pas, peut-être avec le doubleur ou un truc comme ça. Tu sais, par exemple, le jeu Judgment, une fois qu'on avait fait en live, il y avait un problème avec. Il y avait eu un problème avec le... Oula, merde. Ah putain, en fait, mon truc. Ah, ok, d'accord. Non, non, c'est bon. Il y avait eu un problème avec le mec qui faisait. Qui doublait la voix du héros. Parce que je crois qu'à un moment donné, il avait avoué que dans sa vie, il avait consommé un joint ou un truc comme ça quand il avait 16 ans, une fois. Ou un truc du genre, et tu vois, le Japon. Ah, mais vous êtes blacklisté à vie, hein. Il a dû fumer un joint quand il était jeune, quoi. C'est pas comme s'il consommait maintenant. Oh, pardon, j'étais ailleurs. Qu'y a-t-il? Faut tirer ou faut aller dedans? J'ai ma réponse. Non mais attends, on a eu un boss juste avant. Ça perd les popettes. Le seigneur dragon est libre. Seigneur dragon, viens te battre. Ah génial, je ne crois pas. Allez. Ah oui c'est vrai. Ah, le mec il a le sens de la mise en scène et tout. Non mais attendez, on est au début du jeu, vous êtes niveau 2. Tu es plus coriace que tes prédécesseurs. Je me demande si... Passe. Vas-y, gentil, il nous a ouvert la porte. Main du destin. Et pour l'heure, je dois rendre visite à une vieille amie scintillante. Ouais. Ah non, mais par contre, la licorne, je sais pas comment elle a fait, mais elle passe à travers les murs, elle rampe, elle a tout. Il y a tout. Ouais, moi j'ai un nouveau marteau et j'ai deux roues de buggy. Enfin, je crois que c'est des roues. Ah non, c'est des boucliers. Ça, c'est un truc de sort. Non, mais celui que j'ai, il est mieux. C'est quoi cette entourloupe? C'est de la merde. Les équipements moins impressionnants que les précédents. Semi-auto. Ok. Rafale, semi-auto. Ok, d'accord. Automatique, semi-auto. Ok, d'accord. C'est bien ça, ce truc de auto, semi-auto, etc. C'est quoi ça? Prophétie, flamme et rêve. Le conte de la main du destin. Commence comme tant d'autres, le cœur débordant de flammes et les rêves emplis de dragons
Et les rêves remplis de, dragons, bah oui, on rêve tous de dragons. On rêve tous de dragons. Le seigneur dragon s'est échappé. En fait, pas des masses échappées. Non, il y a des monstres au sol. Je sais où il va. Si je veux se venger de la reine étalon du cul. Je me suis pas fait geler par un truc. Pour maintenir la reine étalon du cul de l'évasion du seigneur dragon, vous allez devoir faire un long voyage jusqu'à la capitale du royaume, Sabo Ardent. Trophée obtenu, choper la quête. Ouais, on est d'accord qu'on a marché dans un truc bizarre. Ouais, je suis pas fou. Et c'est qui a allumé des feux de camp partout? C'est la licorne aussi? C'est en cours de route. Putain, en plus, je crois qu'en fait, l'insecte, il faisait coucou. Dans le doute, moi, j'ai tiré. Bah ouais, je vois un truc qui rampe au sol. Bah ouais, forcément. Ouais, il fait coucou. Il a plus peur de nous qu'on a... Il y en a un là. C'est un crabe quoi. Ouais. C'est ça, je veux dire. Des crabes. Enfin, il y en a plusieurs, mais bon. Après, des crabes dans des crottes, c'est pas plus logique qu'une licorne. C'est quoi en bas? Là, la mort. Bienvenue. À Blanche Rive, carte du monde, compte à rebours, déplacement. Ouais. On se déplace, non? Je sais pas comment. Ah voilà, ça m'a fait peur. On va en bas. En fait, y a pas vraiment de lancer de dés. Imagine, tu fais un lancer des genre si t'as échec critique, t'as le boss de fin. Parce qu'il peut-être un bouclier, utiliser des dégâts. Ah, je sais bien que j'avais zappé un truc, je sais pas comment. Ah, il y a tout, c'est un dé bleu. Il y a tout. Ah mais là c'est plus une énorme maquette du monde, hein. C'est là elle a engagé une équipe technique. Les paysages sont hyper détaillés. C'est ça. Ouais, une canette de soda à l'orange, des capsules. Voilà, beaucoup travaillé, hein. Après cet univers de fantasy. Où Orangina visiblement est sponsorise le tout. Bienvenue sur la carte du monde, vous passez pour le jeu de pavillon, hein. Des quêtes et rencontres dangereuses au cours de votre quête pour voir que c'est un dragon. Il serait sage d'explorer les moindres recoins, hein, car il faudrait l'expérience. Ouais. Putain, les gueules qu'on a par contre. Tiens, je te laisse l'autre coffre. Il y en a deux. Voilà. Je rêve où il y a un paquet qui arrive vers moi. Eh, si tu m'envoies après le cash, on va avoir des problèmes. On peut traverser l'eau. Ouais, le jus d'orange, ouais, j'ai testé, ça marche pas. Vous avez sucé de la carte, trophée obtenu. Merci. Enfin, ouais. Un méchant vous saute dessus. Un troupeau inattendu passe. Ah ouais, un événement aléatoire. Un méchant. Et du coup, tu t'es fait attaquer? Hein? Ah mon dieu, il y a des ronces. Passons par les hautes herbes, là où il y a le monstre. Préparez-vous au combat, c'est-à-dire. On va nous mettre dans une arène et. C'est devenu un Tales of ou un Final Fantasy? Ils auraient dû faire un... Ils auraient dû faire un remix de la du thème de combat de Pokémon. Ouais, il y a un thème de combat de Pokémon. On se fait quand même attaquer par des ninjas. Hein. C'est vraiment ninja karaté la totale. Hein.
Ouais, il est peut-être sur ce marron. Une nouvelle fournée de trouillards à abattre. Ouais, comme tous les lundis, hein. Je continuerai de vivre. Niveau passé. Je lui ai fait perdre un... Non, j'ai cru que j'avais fait perdre un bras, mais... Rien à foutre, maintenant, moi je tire en mode auto. J'arrive à faire... Et j'ai fait quoi? J'ai balancé une météorite? T'as pas supplié, hein? C'est déjà ça. J'ai tout fait péter, j'ai rien compris. Mais ça a marché. Je sais, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Et ça a marché. C'est parti pour la douille arcanique. Ah. Y a un machin planqué? Ah oui, au cas où, ouais. Putain, mais les mecs qui vont carrément jusqu'à simuler une map pour... Il y a la map et il y a une sous-map pour les combats. Bien sûr, il n'y a pas d'habitants, pas de villageois. Parfaitement logique. Je me demande, il fait quoi ce tonneau? Ah, c'est un tonneau Tesla. Il y a des tonneaux Tesla. Tu vois un tonneau avec des boules électriques autour, c'est un tonneau Tesla. Bah, je suppose qu'on a tout vu. Ouais. Une faux. Ah bah oui, je suis un envoyé de la mort, c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié ce détail-là, à force. T'as récupéré une hache, je suppose. Oh, ok, d'accord, donc c'est comme ça que ça marche. Alors j'ai récupéré un truc mais j'ai aucune idée de ce que c'est, je vais tester. Ah je crois que j'ai un sniper. Ouais j'arrive. Je crois hein. Ah elle était dans un menu. Ah, ah putain je croyais que c'était toi. Non ouais justement je vais tester. Non mais il y a un mec qui est apparu dans le portail qui a disparu. Attends. C'est quoi ça comme arme? Putain j'ai le même de Salt Bae. Attends, je sais pas si tu me vois. Regarde, là je tire. Ok, regarde quand je charge. Je suis là, regarde. Là je tire, ça tire une lame, mais regarde. Quand je charge. Je sais pas si t'as réussi, si ça se voit en fait. Ouais, mais en mettant de la poudre dessus. Enfin, comme du sel en fait. Je sais pas si peut-être tu l'as. Peut-être tu l'as aussi toi en arme. Donc normalement si tu le fais, ça s'appelle un Parable of the Mist. Non, ça a plein de noms en fait. C'est un Hyperius. Attends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et normalement si tu recharges. Ouais, c'est ça le Bae sponsorisé. Ouais, mais je t'ai vu tirer. Par contre, ouais, je t'ai pas vu faire. Ah, en fait, j'ai des résistances au poison. C'est pour ça les éléments sur le bouclier. Ouais, je vais changer avec ça. Une faucille de glace. Ah, c'est quoi le mieux? C'est d'avoir Oh, je sais pas. On verra bien sur le tas. Ah, il y a les points aussi. Je sais pas si tu les as répartis. La main du destin fait des dégâts de bonus. Oui mais moi j'aimerais. Ah c'est au niveau. Attends. Comment j'invoque cet enculé là, le familier là de classe. Ça commence à me casser les couilles. Modèle grand. Augmenter les dégâts des familiers. Bah, encore faudrait-il que j'ai des familiers. Je vais augmenter quoi? Ouais, continue un peu à augmenter ma constitution. Comme ça au moins. C'est fait. Moi comme ça j'encaisserai mieux les dégâts. Parce que techniquement moi je suis une... En termes de dégâts, en termes de résistance, je suis une lopette. Hein. Donc on peut enchaîner les tirs avec avec l'arme Salt Bae, ok. On peut enchaîner les tirs, mais il n'y a pas de... On peut pas varier en fait le type de tir comme pour les autres armes. Genre automatique, semi-auto et tout.
L'arme, ouais, l'arme Salt Bae là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, apparemment, je sais pas, je veux dire, j'ai vu à peu près, j'étais même pas au courant. Salt Bae, un steak chez lui, c'est ton salaire à la fin du mois. Hein. Dans son resto, ça rigole pas au niveau des prix. Hein. Toi, celui que t'as pris, c'est celui qui gèle, c'est ça? C'est la version qui gèle? Non, je veux dire, l'élément. Y a pas d'élément? Sur ton arme, sur l'arme Salt Bae. Ouais, donc moi, je vais peut-être prendre le poison, du coup. À mon avis, on servira à rien de... Ça servira à rien qu'on gèle. Ah, j'ai un sniper! Ah bah voilà! Et bah ben voilà, c'est tout ce dont je rêvais. J'ai un sniper. Je pourrais flinguer les gens à distance. Oui, non, mais oui, ben oui, remarque. Oui. Ouais, c'est. Ah ouais, c'est vrai, depuis tout à l'heure, c'est pas comme si on tirait de près. Hein. J'ai mis des raccourcis sur la carte pour vous aider à vous déplacer. Ouais. Vous aurez juste à cogner dessus. Ah ok, on peut péter les arbres, faut appuyer sur la touche de corps à corps. Hey, mettez-moi un peu ce pont. Je suis sûr que vous pourriez le traverser en lui collant une bonne correction. Ah, il faut que je me suicide pour la bonne cause, attends. Attends quoi? Pas le petit dé. Attends, j'ai pas compris. Ouais, non mais moi je me suis suicidé mais ça a pas marché. Ah, c'est pas ce pont là, c'est celui-là. Raccourci capsulaire. La vache, c'est trop cool. Je suis trop contente que vous soyez là. Il y a un quoi? Pour être mes potes et jouer avec moi. Ça fait 1400 ans. Ah, il y a un dé, t'as un pendant. Évidemment. Évidemment, of course. Tu te sentais seul? Non, il y a plus. T'es pas obligé de te suicider, hein. Les oreilles. Eux, c'est des cousins qui sont là en vacances. Ouais, ce que j'étais en train de me dire aussi. Mais lui, il a pris cher. J'ai abaissé la pont capsulaire. Bonjour, papa. À chaque fois, moi, que je vois des capsules dans des jeux comme ça, je m'imagine. Voilà, merde. Je m'imagine. Fallout. Du Coca-Cola, tout ça. Il se passe quoi? T'es qui? T'es derrière moi, c'est ça? Bonne question, je te suis, moi. Dreamer Vale Overrock. T'imagines les mecs qui ont fait l'extension au début? T'as le directeur du... Hein? Ah bon? Ah. Oh, au pire, on s'en fout, hein, ça va venir. Moi, je m'attends à voir des zombies. Hein. Cette caravane me dit rien qu'il aille. C'est qui? C'est pas que tout le monde est mort ici, c'est que. On a dépassé le stade. Ah oui, Vesper, ouais! C'est l'extension Vesper. Vesper va bien. Si jeu de mots de merde, ouais, j'arrive jamais à le redire. Je sens d'ici votre âme de Nova. Putain, c'est un des rares persos d'un univers Borderlands que je me dirais que je me la ferais bien. Et vous voilà ici, en plein domaine de l'imagination. Ah ouais, alors, d'après vous, y a pas de... Il n'y a pas de... Forcément, il y a des banques partout. Le capitalisme. Récupérer le butin perdu. C'est connerie en fait. Je vais le tuer. Couleur de bannière pleine lune. Après, normalement, on a tout le contenu en théorie. Hein. Vous doutez de ma capacité.
Il y a un truc que je trouve un peu bâtard par contre, c'est les codes chiffres, c'est-à-dire pour les cadeaux, enfin pour avoir des objets et tout. C'est un peu comme les codes pour les jeux mobiles, là où tu tapes un code, t'obtiens. Le fait que ça ait une date d'expiration, parce que moi clairement je préfère attendre, c'est pour ça que je fais pas encore Atomic Hearts, je préfère attendre de voir un peu comment vont être les extensions, histoire de pouvoir, si je me fais pas carotte. Parce que tu vois, si j'achète un jeu chez No Sound Pass et que c'est de la merde, moi j'ai eu l'expérience hein, avec Odyssey. Hein. Odyssey, les extensions c'était de la merde. Hein. Faire face à la roue du destin, ça ne crée rien après. Ouais. Ok. Ça ne crée rien a priori. Faire face à la roue du destin. Il n'y a que vous qui déteniez la réponse. Ah, ouais, là aussi par exemple avec l'œil. Attends, j'arrive. Là-bas, là où il y a une roue bizarre, là en forme d'œil là. Ah ouais, quand même, ça pique un peu. Ouais. Si tu veux essayer là où je suis, il y a une roue. Et je récupère des trucs en masse là, depuis tout à l'heure. Le terme roue de la fortune n'a jamais autant pris son sens. Bah, si tu veux ici, tu récupères du cash. Hein. Ah, et des armes aussi. Yes, des armes. Ah, cool, faut que je regarde. Par contre, on les voit où qu'on a des âmes avec nous? Ah, c'est bon. En fait, là où je suis, en fait, tu regardes sur la map, là où je suis, en fait, tu peux récupérer du cash, tu reçois du cash, mais tu reçois des armes à la fin. Attends, tu peux le faire ou pas? Sinon moi je te passe des trucs. Alors, ne l'approchez pas. Ah ouais, c'est bon. Moi je peux plus. Toi tu peux. OK, d'accord. Vous avez terminé, trouver des boucliers. Spirit Rune Slugging. Ouais, quand même, plus le même niveau là. J'ai un fusil à pompe. Ah, il est pas mal celui-là. C'est classifié comment le niveau de rareté? Tu le sais toi? Au niveau des... Ah, donc techniquement le doré c'est le au-dessus de tout. Genre ça fait normal. Ouais, orange, voilà, désolé, ouais, orange. Genre ça fait normal, vert, bleu, violet, orange. Ça doit être ça, non? Bah, c'est ça, je me demandais aussi. Je suppose que c'est normal, vert, bleu, violet et orange. En gros. Alors, normalement, tu réussiras. Tu vas en choper un, tu vois. Tu vas en choper un à un moment. J'ai bien envie d'essayer celui-là. Mais ça fait plus de dégâts, mais c'est pas fait pour... Ah putain, j'ai un revolver. L'Amérique, quel pays formidable. Ouais. Je vois ça comme ça maintenant. Je me demande où on peut vendre les trucs qu'on a en trop. Ouais, c'est ça. Elle est où la boutique? Ah, genre comme BioShock? Article du jour. Parcourir. Là il y a des livres pour moi, mais c'est un peu de la merde, j'ai l'impression. Hydra. Non, je suis pas encore prêt à rejoindre. Ok.
qu'est-ce qu'on a? J'ai une rapière au corps à corps, j'ai une hache, j'ai je sais pas, un décapsuleur. Une rapière, copèche. Qu'est-ce que j'aime au corps à corps? Oh, j'ai une vieille faucille. Ah, ça peut pas être pire que la faucille que j'ai. Attends, tu les vends au distributeur du coup? Oh putain. Alors. Tout ce qui est globalement, tout ce qui est normal quoi. Tout ce qui est classé normal. Ouais, c'est ça. Ouais, même truc vert à ce stade, ouais. Ah, surtout que là, maintenant, on va fonctionner sur du bleu, violet et jaune. Enfin, orange. Ici. Ah, t'as de la chance. Moi, je crois que le max que j'ai, c'est vert. Mais bon, après, toi, t'es plus corps à corps que moi. Ouais, on peut, ouais. Bah moi si j'ai des trucs, si tu veux j'ai un fusil à pompe violet. Ouais, moi ça va me servir à rien, je vais pas y aller. Attends, vas-y. Attends, je te passe vite fait. Fusil à pompe. J'ai quoi d'autre? J'ai un fusil à pompe. Une épée si t'as, ouais, si tu veux. Après moi le reste c'est bonne partie c'est vert. Si tu veux j'ai, mais je sais pas si ça marche avec toi, je crois pas. Si remarque, si ça doit marcher ça avec toi. Ah non, ça c'est ce que j'ai d'équipé. Attends, là où il y a un V c'est ce que j'ai d'équipé. Ouais voilà c'est ça. Et pourquoi la hache je peux pas te la mettre, c'est chelou. Bon attends, bah tiens du coup je te passe je te passe le fusil à pompe. Parce que moi je vais pas aller au corps à corps hein. Moi pour l'instant je suis en mode fuir. Rester à distance. C'est très bien la distance. Trophée obtenu, c'est pour toi. Merci. Oui. Après, si tu veux, j'ai des boucliers bleus, mais je pense pas que ça va te servir. J'ai un bouclier violet si tu veux. Si tu veux, je peux te passer un bouclier violet. Attends. Non, attends, je vais te passer. Tu sais, après à côté, t'as les gens en général que genre. Quand ils jouent en coop, ils se battent pour le loot et tout. Il n'y a pas que ça, c'est que bon, tu vas pas te balader avec une armurerie. Ça sert à rien. Tiens, attends. Tiens, merci. Non, moi c'est bon, t'inquiète. Mais c'est histoire que toi aussi t'as un bouclier. Parce que là-dedans, des fois, quand il y a eu l'autre boss qui a débarqué. Ouais, vas-y. Tiens, genre, nous, si on se retrouve. Parce que tout à l'heure, il y avait un boss. Moi, il m'a siphonné ma vie. Hein. Il y en a un, il m'a siphonné ma vie. Hein. J'ai vu défiler devant mes yeux. J'ai rien compris. Celui-là, il vend quoi? Il vend des boucliers de merde. C'est pratique ça. J'ai toujours rêvé d'en avoir. Utiliser, ça sert à quoi ça? Ouais. Ah. Ouais, tu peux modifier ton corps là au cas où ça, si t'es pas trop. Alors, voilà. Je te plais. Oh. Ouais, ça c'est bien ça pour le coup. Là, il y a un coffre, j'ai l'impression. Non, ça s'ouvre pas. C'est pour décorer. Beaucoup de trucs pour décorer. Ouais. Bon là, visiblement, il est content. Tu veux qu'on fasse... Parce que visiblement, il y a des livres là avec des quêtes. Tu veux qu'on en essaye une? Ah, si tu veux, on peut en essayer une, hein. Hein? Ah. Effectivement. Ouais, non, t'inquiète pas, mais au moins comme ça on a testé. Donc c'est. Ouais, on y reviendra, ouais. C'est... Ouais. Moi je vais attendre pour Outriders qui est l'extension qui soit en promo là, comme ça je la prends aussi, parce que toi tu l'as déjà. Parce que toi c'était compris dans le pack. Je crois.
Non, moi je l'avais pas, j'avais que le jeu de base, mais je vais le prendre comme ça au moins je serai raccord pour les extensions. Mais ouais, non, mais franchement, première partie assez cool, ça va, 2 heures de live, ça va. Par contre, franchement, partie assez cool, un bon côté RPG, bosser, etc. Hâte de voir tout le reste. C'est, non, franchement, très fun. Bah écoutez, nous on s'arrête là et du coup, occasionnellement, on y sera. Ce que je te propose peut-être, tu me dis c'est quand. On pourrait essayer de faire un dernier épisode de Martha is Dead pour voir si on l'enterre ou pas. Parce que du coup là j'ai arrêté le live la dernière fois au moment où il fait nuit. Donc je me dis peut-être. Peut-être. Il y a un espoir. Peut-être que quand il fait nuit il se passe un truc. attendez, j'arrive. Ouais. Du coup voilà, on s'arrête là. Passez une bonne soirée, Kevin, et à la prochaine. Bonne nuit.